Allez, mais d'abord, Sarah El Haïry, vous nous avez fait le plaisir de rester pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour les loulous. Vous avez vu que Sarah El Haïry est donc restée pour vous écouter. J'ai envie de vous poser la phrase qui est en train de devenir un petit peu rituelle. Est-ce que vous connaissez notre invité, Gaspard? Hélas. Comment ça, hélas là? J'oublierai jamais quand, lorsque j'étais au service national et que Sarah est venue me chercher dans la prison de la caserne pour insoumission. Insoumission? Ouais, j'avais refusé de manger un plat vegan à la cantine et elle m'a dit... On n'en a pas. J'ai une mission qui peut te sortir de là, on a besoin de toi pour récupérer la cuvette de Dien Bien Phu. Et je me vois encore lui répondre, c'est pas ma guerre, colonel. Quel comédien. Non mais sérieusement, vous connaissiez? Non, plus sérieusement, oui, on se connaît très bien, on a fait toutes les gay pride ensemble. Non mais ça, madame la ministre, vous allez faire un outing, c'est pas un secret. Hein? Vous avez fait la gay pride avec Sarah El Haïry. Bien sûr, hein, ouais. On se retrouvait tous les ans sur le char où sont les femmes. Parce qu'on parle tout le temps de cette pseudo-guerre des sexes, de la haine des féministes, souvent lesbiennes contre les hommes, c'est pas vrai. Parce qu'en faisant ça, on oublie l'authentique fraternité de pensée qui existe entre les hommes hétéros et les femmes homosexuelles, parce que tous les deux, in fine, on regarde dans la même direction. Car comme disait très bien Saint-Exupéry, vous savez, l'inventeur de l'enfant casse-burne avec ses dessins de moutons, Antoine disait « L'amour, c'est pas de se regarder dans les yeux, mais de regarder ensemble dans la même direction ». Et pour compléter la réflexion de Saint-Ex, comme le dit mon pote Lionel, vendeur de sextoys pour HPI chez Bricorama, peu importe l'outil, pourvu qu'on ait l'ivresse. Bon, quelle formule. Bon, il est vrai que la ministre a fait un coming out assez remarqué dans Forbes. Hein. Oui, ça c'est le vrai côté disruptif de la Macronie. Ah bon, comment ça? Bah, d'habitude, les gens ils font ça dans têtu, quoi. C'est pas très original. Dès que tu vois quelqu'un d'un peu connu en coupe de têtu, tu dis le premier réflexe, c'est comme si on le savait pas, tu vois. Alors là, tu fais ça dans Forbes, c'est quoi l'alternative disruptive? La une du catalogue Barnes des demeures d'exception. Mais en quoi trouvez-vous que c'est courageux de faire ça dans Forbes? Bah, par rapport au public qui lit, c'est pas un public préparé. Tu vois, autant un président qui a le goût du gadget, parler dans Pif, bon, c'est cohérent. Mais faire un coming out dans Forbes, tu vois, c'est un peu comme se pointer à un dîner de gala, tu sais, les mecs qui sont en costard, les nanas refaites qui font semblant de sourire, tu sais, en gros le concours de laquelle fera péter le plus vite les lèvres en botox de sa voisine. Et là d'un coup, cling clang, Sarah qui se lève, bonjour, en tout cas je sais pas vous, mais moi j'aime les femmes. T'imagines le silence dans la salle. Bon, en effet, dites-moi, en off, vous m'aviez soufflé que notre invité c'était un peu l'anti-Pape Ndiaye. Hein. Ouais, j'ai retrouvé une de ses déclarations. Elle a dit, je sais pas si c'est vrai, hein, moi ce qui m'effraie encore plus que Zemmour, ce sont les discours intersectionnels du moment. Et alors, pour un mec comme Pape Ndiaye, ce genre de déclaration, comment dire, c'est comme une lapidation nudiste à coups d'oursin, tu vois, c'est... Je veux dire, et quel beau parcours d'intégration. Ah oui, ah bah, non mais elle prouve que tout est possible en France, nommer une femme issue de l'immigration, homosexuelle au service national, enfin, la France est un pays super inclusif. Non mais comment ça? Bah, imaginez la même au Maroc, imagine le roi Mohamed VI qui nomme au service national un mec qui s'appelle Jean-Michel Dupont. Bon, déjà, il y a un moyen qu'il fasse tomber les figues de barbarie des cactus avec 3 mois d'avance. Puis si en plus l'autre, à la première interview, il se pointe « Bonjour, j'aime les hommes ». Pas sûr qu'il ait le temps de faire une seule charge de téléphone dans son ministère. Hein. Alors, vous m'avez dit que vous êtes allé visiter le site du Service National Universel. Hein. Du Service National Universel. Oui. Il manquait plus que le mot « galactique ». On avait droit aux uniformes du Real Madrid. Alors, c'est pas patriote. C'est pas. Ah bah non, bah, moi je peux, je le suis pas. Alors donc, et j'ai regardé les exigences du truc. Sérieux, service national. A priori, si t'arrives à te lever à 7h du matin sans te plaindre, t'as la croix de fer. Hein. C'est vraiment. Mais dites, vous avez fait votre service militaire, Gaspard, vous? Oui, en Slovénie et en Suisse. Et je peux vous dire que c'était pas la même ambiance. Hein. Ah oui, comment ça? Ah bah, une fois qu'on nous a déguisés en uniforme, il y a un mec en chapeau pointu qui s'est pointé dans la chambre et qui nous a balancé. Je suis le sergent d'armement Hartmann et votre chef instructeur. Vous êtes du vomi. Vous êtes le niveau zéro de la vie sur Terre. Vous n'êtes même pas humain, bande d'enfoirés. Vous n'êtes que du branlement végétatif, des paquets de merde, d'amphibiens, de la chasse. Parce que je suis une peau de vache, vous me haïrez. Mais plus vous me haïrez, et mieux vous apprendrez. Ça, c'était le service national. Hein. Ah oui, ça vous a marqué. C'est une chute. Hein. Ça va, Sonia? Ça fait deux. Vous êtes belle suite, en ce moment. Vous dînez où ce soir? Merci Gaspard Proust, toujours un plaisir. Merci Sarah El Haïry d'être restée avec nous. Sinon merci les Sonia. Inscriptions du SNU sont toujours ouvertes. Ouais. Hein.